Le JT Sport sur iTélé avec Julien Pasquet. Comment ça va, Julien ? Bonsoir Antoine, très bien, merci. Du tennis pour commencer, tout va bien pour l'équipe de France ? Tout va très bien, puisque l'équipe de France, au terme de la première journée du premier tour de la Coupe Davis contre le Canada en Guadeloupe, eh bien, les Bleus ont fait un sans faute avec une victoire, j'allais dire. Je vais un petit peu vite en besogne, mais c'est très bien. C'est très bien engagé. 2-0, 2 points marqués aujourd'hui par les Français. Le deuxième, un peu plus tard aujourd'hui, de Gilles Monfils. Gilles Monfils, oh là là, on va la refaire. Hein. Gilles Simon, Gilles Monfils, c'est pas mal. Gilles Simon qui a battu Pospisil 7-5, 6-3, 6-3. Et un petit peu plus tôt, c'est Gaël Monfils donc, qui avait importé le premier point. Ça a été expéditif d'ailleurs hein, contre Franck Dantsevich. 6-3, 6-1, 6-3 en à peine 1h25. Un moment particulier, émouvant, hein, puisque vous savez que Gaël Monfils est d'origine guadeloupéenne. Il ouvrait le bal aujourd'hui face à son public. Un moment exceptionnel pour lui, écoutez-le. J'ai même pas de mots, c'est incroyable. C'est quelque chose à faire, unique. Et je pense que je suis très content de l'avoir fait et bien fait. Quoi. Rien que quand on arrivait sur le terrain avant les hymnes, c'était exceptionnel. Quand on est arrivé au tout début, c'était exceptionnel. Quand j'ai gagné le premier set, c'était exceptionnel. Et à la fin du match, c'était magique. Quoi. Un résultat très bien, très 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 solide et donc non pour moi c'est quelque chose dont je suis très fier et très content. Et vivement le double demain, hein. Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga ont l'occasion de donner le point de la victoire aux Bleus. Il y a eu pas mal de polémiques autour de ce déplacement en Guadeloupe pour la Coupe Davis, mais ça se passe vraiment très très bien. Regardez ces images, la foule qui est nombreuse, ambiance de carnaval très festive, donc à Bemao très précisément où a lieu cette rencontre. Les spectateurs sont ravis, comme nous le disait d'ailleurs Julien Henny, notre envoyé spécial un petit peu plus tôt. Julien Henny, que l'on a retrouvé tout à l'heure en compagnie du capitaine adjoint de cette équipe de France, Cédric Pioline, pour avoir les impressions depuis le vestiaire de cette équipe de France après ces deux points marqués. Petit Trublion qui est venu s'immiscer dans la conversation entre un petit Trublion qui est venu s'immiscer dans la conversation entre Cédric Pioline et Julien Henny. Je vous laisse apprécier. Mais c'était très très bien, c'était très très bien d'ailleurs. Le voilà le capitaine. Yannick Noah en direct sur notre antenne. Venez Yannick, on est en direct. Alors Yannick, voilà, venez. Allez, non, il est bien, il est chaud, il est affûté. Il est affûté, il se dit que tenir 3 jours, ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé, donc il essaye vraiment de tenir à distance. Mais non, il y avait une belle ambiance, joyeuse, mais pas euphorique, bien entendu. On est juste à l'issue de la première journée, on a fait le boulot. 2-0, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, 2 fois 3-7, on est très satisfait. Peut-être 3-0 donc demain avec le double. On croise les doigts. Avec Richard Gasquet et Joe-Wilfried Tsonga. Du football, match nul de partout en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Caen qui arrache hein, ce match nul in extremis, d'où la joie cannaise après cette rencontre. On va revenir vers ce garçon dans un instant, Kouakou, qui a été fabuleux ce soir. Mais avant cela, donc de partout à Dornano entre les deux équipes. Lemar, l'ancien Canet, formé à Caen d'ailleurs, qui ouvre le score sur ce magnifique coup franc. La réduction de l'écart par Julien Ferré, l'égalisation même, qu'il avait obtenu un pénalty après une main de Fabinho dans la surface. Yaya, malheureux, contre son camp pour donner l'avantage à l'ASM. On joue à la 90e minute, 2-1 pour Monaco. Et de partout, finalement, il est ivoirien, il s'appelle Christian Kouakou. Il met ce magnifique but. Un point hein, pris par les deux équipes. C'est tout de même un 6e match sans défaite consécutif pour l'AS Monaco. Et Caen est seul 3e. On va écouter la réaction du gardien de but du Stade Malherbe de Caen, Rémi Vercoutre. Beaucoup de volonté pour revenir 2 fois au score. Face à une belle équipe de Monaco, très 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 difficile à jouer dans un système qui nous posait problème. Mais voilà, on montre qu'on a des ressources mentales, physiques, et puis on n'a pas lâché. Donc on est très content de ce point ce soir. C'est vrai que c'était pas spécialement bien embarqué, mais on s'accroche, on a les tripes ce soir. Suite de cette 29e journée, demain à 17h en direct sur Canal+, le Paris Saint-Germain qui effectuera sa dernière sortie avant le déplacement à Chelsea en Ligue des Champions. Paris reçoit Montpellier, les matchs de 20h avec notamment Angers-Saint-Etienne et Lille-Reims. 3 matchs dimanche, Marseille-Toulouse, la première de Pascal Duprat sur le banc toulousain, Rennes-Nantes et Lyon-Guingamp. Lyon qui ne jouera pas avec Nabil Fekir, mais l'international français nous a donné des nouvelles très positives aujourd'hui puisque vous le voyez, il est de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers.
coéquipier. Il a participé à la première partie de l'entraînement collectif aujourd'hui. Ça fait 6 mois, jour pour jour, qu'il est absent après une grave blessure au genou contractée avec l'équipe de France au mois de septembre. Il se donne un mois, un bon mois pour revenir. Date prévue le 9 avril prochain pour la 33e journée de Ligue 1. Le rugby, écrasante victoire de Clermont ce soir sur la pelouse de Grenoble. Le carton clermontois au Stade des Alpes. 6e victoire à l'extérieur cette saison pour les jaunards qui se sont imposés avec le bonus offensif à Clermont. Ouverture de la 17e journée, 45-12. Ils avaient déjà cartonné contre Oyonnax. Et bien la SM a passé 6 essais aux Isérois avec notamment un triplé de Noah Nakaitassi, des essais de Strattle, Davis, Sanga contre 2 essais de Grice pour Grenoble. Les clermontois donc, ils font une belle opération, qui prennent provisoirement la première place en attendant les autres matchs du week-end. On va regarder justement les autres matchs du week-end, ce qui vous attend sur les antennes du groupe Canal entre samedi et dimanche, avec Brive-Toulouse demain 14h45. On notera le déplacement du Stade français à Pau. Le Racing accueillera Agen également. Et puis La Rochelle-Toulon, ce sera le dernier match dimanche à 16h15. Une nouvelle victoire et un record égalé pour Alexis Pinturo. Il ne s'arrête plus, Alexis Pinturo, le skieur de Moutier, qui a récolté une nouvelle victoire en Coupe du Monde. 4e victoire de suite en géant pour le Français, qui a remporté donc l'épreuve de Kranjska Gora en Slovénie. Il entre dans l'histoire du ski français, rien que ça, puisqu'il égale Jean-Claude Killy, qui est le dernier Français à avoir gagné 4 géants d'affilée en 1967. C'est dire s'il est beau ce record. 6e victoire de la saison, la 15e en Coupe du Monde pour Pinturo. Merci Julien, à tout à l'heure.